J'ai l'impression que mon cœur va lâcher. Alléluia.
l'éternel Jésus-Christ. Alléluia. Il est bon pour nous. Ah oui, papa. N'est-ce pas? Ah oui. Voilà. Je voulais dire quelque chose. Je suis votre enfant. Je suis votre petit frère. Je suis votre grand frère. Vous êtes ma famille. Je ne sais même pas par où commencer. Être là ce soir, c'est vrai que j'ai du mal à dire à mon papa que je remercie le pasteur Salem de m'avoir accordé sa chair. Amen. Là, je me considère comme si j'étais un étranger. Amen. Ici, c'est le trône de mon père. Amen. C'est le trône de mon père. Le trône de mon père, c'est mon trône. Amen. Amen. Et aujourd'hui, mon père a trouvé bon de vous présenter son fils. Et si ce n'était pas le cas qu'il avait cru ou qu'il était certain que son fils n'était à la hauteur, il n'allait pas le faire. Amen. Mais s'il l'a fait aujourd'hui, c'est que il croit en lui. Amen. Papa, merci. Je n'ai pas cherché à être ici, mais pour certains d'entre nous, c'est une vision. Sinon nécessaire, c'est vraiment une vision. Et je voudrais juste raconter une histoire. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais juste raconter une histoire dans la Bible. Il y a eu un roi qui a légué son trône à son fils de son vivant. Et quand son fils s'est assis sur le trône, il a remarqué qu'il avait toute la royauté. Et là, je parle de Salomon. Parce que Salomon est monté au trône du vivant de son père. Sommes-nous d'accord? Salomon, il n'avait pas à commander. Ce n'est pas encore la prédication. Salomon, il avait toute la richesse. Il a hérité toute la richesse de son père. L'argent, le peuple, tout ce que Dieu avait donné à Salomon, avait donné à David, David l'a légué à Salomon, son fils. Mais remarquez une chose. Salomon n'avait pas envié qui que ce soit dans ce monde. Il n'avait pas à aller demander quoi que ce soit à qui que ce soit dans ce monde. Mais Salomon, le jour où il s'est assis sur le trône de son père, ce jour-là, il a remarqué que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a compris que non, ce trône, c'est une bombe à retardement. Il a dit, je ne peux pas hériter ce trône comme ceci ou comme... Parce qu'il savait bien que son père, il avait hérité ce trône-là. C'était divinement. Alors il s'est dit que si mon père, il y a eu un prophète qui s'est levé et il est venu dans sa famille et choisir lui, un fermier, pour être au-dessus de toute chose en Israël, alors il doit retourner vers la personne qui a mis son père sur le trône. Amen. Amen. Attendez. Vous allez remarquer une chose. Qu'il s'agissait du peuple de Dieu. Il pouvait faire de ce peuple-là tout ce qu'il voulait. Il pouvait assujettir ce peuple. Mais Salomon, il s'est dit que ce peuple, c'est une bombe à retardement. Je dois retourner à la personne qui contrôle ce peuple pour lui demander qu'est-ce que je dois faire. Et Salomon, dans son palais, il y a une porte à l'arrière du palais et il n'y avait que lui, le roi, et l'eunuque qui connaissait cette porte à l'arrière du palais. Et il y a eu un soir, Salomon, il est sorti.
Il s'est habillé comme tout le monde. Et il est allé au champ. Et là, il est allé chercher Dieu. Le Dieu d'Israël. Le chef d'Israël. Le maître de l'Israël. Il a dit, Père, tu es le Dieu de David. Tu es le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu d'Isaac. Et tu es le Dieu d'Abraham. Tu tiens tellement à ton peuple. Moi, j'ai besoin de quelque chose. De peur que si je conduis ton peuple en dehors de ta volonté, c'est là que je risquerai ma mort. Si tu pouvais me donner quelque chose pour que je puisse conduire ton peuple, pour que cela ne puisse être moi, mais plutôt toi en moi. Mais vous allez remarquer que Dieu, quand il a entendu cet homme demander une telle chose, Dieu, il s'est dit non, ce n'est pas possible. Avec toute la richesse qu'il a, mais il pouvait me demander encore plus. Mais il me demande la sagesse, juste pour qu'il soit un bon juge pour mon peuple. Et vous connaissez l'histoire. Dieu lui a donné plus que ça. Mais vous savez que là, c'était le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Mais vous, vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Vous, vous êtes l'épouse de Dieu. Alors moi, Exode, je ne peux pas me prétendre me tenir ici et parler de moi-même sans que ce Dieu-là puisse être avec moi. Si un grand homme comme Salomon, et qu'en est-il un insignifiant comme moi? Et là, ce n'est pas devant le peuple, mais là, c'est devant l'épouse de Jésus-Christ. Amen. La dame élue. Amen. Celle qui héritera le trône avec Dieu. Amen. Celle qui est dans la chambre du roi. Amen. Là où le roi dit, cacherai-je? Là où tous les secrets sont dévoilés. Amen. Ce n'est pas le peuple qui connaisse les secrets. Mais si le peuple a eu ce privilège, qu'en est-il de l'épouse que vous êtes? Amen. Indigne que je suis de me tenir devant vous ce matin. Je demande la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu sur moi ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et avant de lire la parole de Dieu, restez assis, je voulais juste lire quelque chose. Dans la brochure, le temps est proche. Je commencerai au paragraphe 16. Le prophète Branham dit ceci. Eh bien, il y a un temps pour tout. Amen. C'est un vieux slogan américain. Ah oui. Amen. Amen. Et c'est vrai. C'est ça. Il y a un temps où vous devez labourer. Amen. La terre pour planter vos semences. Amen. Il y a un temps où vous devez semer la semence. Amen. Ensuite, il y a eu un temps où vous devez récolter votre semence. Écoutez bien. Il y a un temps où les nations ont dû commencer. Amen. 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 Il y a un temps. Amen. Où les nations doivent arriver à leur déclin. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Paragraphe 17. Et le temps où chaque personne doit arriver au temps où elle doit prendre une décision. Amen. Il doit y avoir un temps. Amen. Où vous décidez si vous allez vous marier ou pas. Amen. Ensuite, la décision que vous et votre ami, vous devez prendre si vous allez vivre ensemble ou plutôt être marié ou pas. Amen. Il y a toutes ces sortes de décisions à prendre dans la vie. Amen. Et on traîne longtemps pendant une certaine période. Et puis un temps arrive où la chose doit être réglée. Amen. C'est le
dernier moment. Cela doit arriver maintenant. Amen. D'une façon ou d'une autre. Amen. D'une manière ou d'une autre. Amen. Nous allons prier. Nous allons lire. Nous allons prendre Malachie 4. C'est la promesse de notre temps. Parce que tous ceux qui viennent du monde comme nous, ils doivent d'abord connaître c'est quoi Malachie 4, leur promesse. Amen, amen, amen. Sinon, si la fondation n'est pas bien basée, amen, la suite sera catastrophique. Vraiment, papa. Amen. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Voilà. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Ok. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est Dieu qui parle. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour Israël, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. C'est le jour où Dieu viendra embraser toutes choses. Avant que la colère de Dieu ne s'abatte dans ce monde. Dieu, il a promis pour ses enfants d'envoyer Élie le prophète. Élie le prophète, c'est Malachie 4. Et aujourd'hui, nous allons remplacer X par... Amen. C'est le messager. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et nous allons prendre Matthieu 15, de 1 à 21. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu ? Il leur répondit : Dieu, Jésus-Christ, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça, c'est la Bible qui le dit. Amen. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Amen. C'est pour ça qu'il y a la mort dans les églises. Amen. Jésus dit, hypocrite,
c'était des intrus au milieu de nous. Nous ne devons pas avoir peur de leur dire exactement ce qu'ils sont. Parce que vous, vous avez été créés à l'image de votre Dieu. La nature de votre Dieu est en vous. Votre Dieu est un Dieu autoritaire. Si vous êtes devant le péché, si vous êtes devant un homme qui transgresse la loi de Dieu, dites-le lui en face. Lui, il n'a pas eu honte à ça parce qu'il fut aussi homme. Homme, mais 100% homme aussi. Pas seulement homme, 100% homme, comme vous et moi. Mais au-delà de toute chose, il était Dieu. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Amen. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Donc, veut dire qu'il y avait des... Donc, en fait, des pharisiens, c'était des prédicateurs. Veut dire que des prédicateurs qui montraient au peuple que non, nous, nous sommes plus que vous. Vous devez avoir peur de nous. Et pourtant, ils oublient qu'ils ne sont que des serviteurs. Amen. Dieu les a envoyés pour servir le peuple de Dieu. Amen. Il répondit, toute plante que n'a plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles. Amen. Qui conduisent des aveugles. Mm. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Pierre prenant la parole lui dit, toujours Pierre, expliquez-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Amen. Aux toilettes. Mm. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Amen. Le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, comme le pasteur a dit ça tantôt, hein, dans son exhortation, les calomnies aussi. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Dieu, notre tendre Père Céleste, que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur Jésus-Christ, j'étais dans le monde, Seigneur. Je n'ai pas demandé à croire à ce message, Seigneur. Tu es venu, Père bien-aimé, dans la boue du péché, et tu m'as pris, Père bien-aimé, le Tout-Puissant, et tu m'as mis sous un ministère. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, sous ce ministère, Père bien-aimé, ce matin, tu as fait de moi ce que je suis. Tendre Père Céleste, je viens à toi, m'abandonner à toi, Seigneur Jésus, comme Salomon jadis l'a fait au Père. Je suis un tonneau vide, Père. Je suis sale, Père bien-aimé. Père, je veux être nettoyé par toi, Père. Je veux être rempli par toi, Père bien-aimé. Je veux être rendu utile par toi, Père bien-aimé. Seigneur, dans toutes ces choses, Père bien-aimé, je ne connais rien du tout, Seigneur Jésus. Mais toi, tu le sais, Père.
Toi, tu sais, Père bien-aimé, ce qui s'est passé ce jour-là, quand je me suis retrouvé là où je me suis retrouvé, Seigneur Jésus. Tu sais ce que tu m'as donné, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Et cela n'était pas pour moi, mais c'était pour ton peuple. Mais ce matin, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Père bien-aimé, je sais que tu es le roi. Tu n'es pas simplement le roi, mais tu es le grand roi. Ô grand roi, avec ton esprit, Seigneur, viens prendre la prééminence dans cet endroit. Et que tout esprit, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, qui ne confesse pas ton nom, Père, puisse retourner dans le lieu aride, Seigneur. Amen. Père bien-aimé de Tout-Puissant, viens. Laisse-toi mouvoir dans cet endroit librement, Seigneur Jésus. Et prends le contrôle de toutes choses. Et rajoute des bénédictions à la lecture de ta parole. Car je m'abandonne complètement à toi, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit, Père bien-aimé. Ouvre l'entendement spirituel de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il y ait une profondeur qui appellera une autre profondeur. Amen. J'ai une langue bégayante, Père bien-aimé. J'ai un mauvais français, Père bien-aimé, le Tout-Puissant. Ô Père, me tenir devant les gens, pour moi, c'est la fin du monde, Seigneur Jésus. Amen. Mais laisse que cela ne puisse être moi, mais toi, devant ton peuple. Amen. Laisse que, Père bien-aimé, tes enfants ne puissent pas voir Exode, parce qu'ils seront scandalisés. Mais laisse qu'ils puissent voir toi. Amen. Et que l'honneur et la gloire te reviennent, Père bien-aimé. Nous laissons tout entre tes saintes mains. Dans le nom précieux de mon roi, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le roi David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et je demande à Dieu pardon de ma nonchalance. Parce que je sais que je me suis fort affaibli. J'ai fait des choses, comme on dit, exprès. Que Dieu me pardonne. Vous savez que personnellement, j'ai été fort touché par les événements qui viennent de passer ces derniers temps ici à l'église. Très très fort touché. Et je voulais dire quelque chose pour nous consoler tous. Parce que ça nous a tous touchés. Et surtout à mon bien-aimé frère Guy, mon vieux. Et Dieu m'a conduit à quelque chose sur ce que le prophète Branham dit. C'est un peu long, mais on va faire avec. Il dit ceci dans Conflit entre Dieu et Satan. Prêché le 31 mai 1962. Amen. Au paragraphe, à partir du paragraphe 33. Amen. Il dit ceci. Bon, vous allez m'excuser, je vais lire beaucoup. Amen, amen. Mettez le messager. Amen. Donc, moi, repète le messager, frère. Le traque dont vous n'avez pas été. Amen. Repète le messager. Si c'était à refaire, j'allais dire au passé, papa, laisse tomber. Amen. Repète le messager. Amen. Donc, vous allez me comprendre. Amen, amen. La prédication de la parole. Amen. Quand Dieu donnera votre autre occasion. Amen. Et vous allez remarquer une chose. Tout ce que je vais lire, le pasteur l'a déjà dit ici. Donc moi, je ne ferai que confirmer cela par les Écritures. Tout ce que je vais lire, le pasteur Kouete l'a déjà dit. Moi, je ne ferai qu'en lisant, confirmer ce qu'il a dit. Amen. Donc vous allez vraiment me supporter. Amen. Conflit entre Dieu et Satan, le prophète Branham dit ceci au paragraphe 33 de 1962. Il dit ceci. Nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ Jésus. Amen. Donc là, maintenant là. Oui. Nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ Jésus. Et maintenant nous avons le gage de notre salut. La compte.
Si la chose coûtait 10 000 dollars, il donne un acompte de 1 000 dollars. Vous voyez, c'était un acompte d'un dixième comme notre gage. En d'autres termes, nous sommes déjà ressuscités du péché et de l'incrédulité. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes, ayant une évidence comme celle que Josué ramena. Amen. Le pays existait. Voilà. Le pays existe. Et nous sommes en route. Écoutez maintenant. La mort ne plus. Amen. 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 Nous ne pouvons mourir. Amen. Nous ne pleurons que comme des hommes. Amen. Merci Seigneur. Un jour on vous dira, frère Branham est mort. Amen. N'y croyez pas. Amen. Il dit, pourquoi? Amen. Amen. Vas-y, papa. Frère Branham ne peut pas mourir. Amen. Vous voyez? Oui. C'est vrai. Amen. Je ne peux pas mourir. Amen. Je suis déjà mort. Amen. Pendant qu'il était à la chair, le prophète Branham disait que je suis déjà mort. Amen. 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 Eh bien. William Branham est mort il y a longtemps. Amen. Il y a environ 30 ans ou plus. Amen. Environ 32 ans. Amen. Cela fait environ 32 ans que je prêche. Il est donc mort. Amen. Bien avant cela. Amen. Maintenant, c'est une nouvelle. Amen. Maintenant, c'est une nouvelle. Amen. Une nouvelle. Amen. Si on pouvait juste reconnaître notre position. C'est ça, mon frère. Nous avons souvent des problèmes. Il y a deux fois. Bénissons le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que j'ai étudié, c'est la qui suis-je. Vous devez vous poser la question, qui suis-je? Vous devez connaître et savoir qui vous êtes. Amen. Amen, 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 amen. Frère, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es un fils de Dieu. Amen. Le vrai toi, ce n'est pas ce qui est là. Le Lazare qui est là. Ce n'est pas le vrai fou. Ça, c'est la terre. La... Quand je parle de Norman Neville, pasteur, vous devez vous représenter fou. Dites que Norman Neville, c'est moi. Roger n'est plus le petit gars qu'il était. Vous savez? J'ai branché. Et frère Jackson et tous ses autres frères d'Agapao ne sont plus ces hommes qu'ils étaient. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Frère, finis le temps de condamnation. Amen. Ah. Amen. Frère, tomber, mais tu dois tomber. Mais, si tu ne veux pas tomber, mais va au ciel. Amen. Fais un choix. Amen, 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 amen. Tu es obligé de tomber. Amen. Mais tu n'es pas obligé de tomber exprès. Amen. Amen. Si tu le fais, Dieu, il vient, il te châtie. Amen. Il y a le courroux de Dieu qui t'attend. Il y a des fois, nous faisons des choses passées exprès. Vous savez, Il parle. Vous croyez pas. Une fois le pasteur a dit ici, c'est de l'autre côté. Faites attention. La personne qui est là au bureau, c'est une autre personne. Celui qui est là au bureau, il n'est pas un ange. C'est pasteur. La chair. Et non. Mais quand il se tient ici, faites attention de ce qu'il dit. Quelqu'un peut dire amen à ça. Oh,
nous avons du mal, nous, à reproduire exactement ce qui se dit ici. Qui suis-je? À qui tu es? Qui suis-je? Amen. Genani. Amen, amen. J'ai l'impression que je dois laisser ça. Vous tous, frères et sœurs, nous ne sommes plus ces personnes que nous étions. Nous sommes des nouvelles créatures. Amen. Des nouvelles créations. Amen. Attends. Il ne faut pas vous en faire. Nous sommes déjà là-haut. Amen. Regardez où nous étions. D'où tu viens? Attends. Quand le propos de Bonhomme dit où nous étions, hein, ça veut dire ta vie passée. Quand tu étais un coureur de jupons. Voilà. Amen. Quand tu cassais les magasins. Voilà. Frère, moi j'ai grandi vite. Peut-être, vous savez, il y a des choses qu'on vous raconte. On vous raconte. Mais ce n'est pas du vécu. Amen. Mais vous avez ici une personne. Hein. Dernièrement, je ne sais pas si c'était le dimanche ou quel dimanche ou le dimanche d'avant. Le pasteur, il a dit qu'il y avait des gens qui entraient dans le magasin, hein, et qui sortaient avec d'autres habits. Vous avez un devant vous? Tout à fait. Oh. Amen. Écoutez, vous savez, moi, Dieu m'a béni d'une certaine façon. Hein. Dieu, il m'a donné une certaine, je sais pas si je dois appeler ça une sagesse ou intelligence, mais je suis ce que je suis. Mais moi, j'ai arrêté les études en cinquième des humanités. Mais les gens souvent croient que non. Ah, c'est lui-là. Non. Au CPS, j'étais allé chercher du travail. Je disais à la dame, moi je vais balayer les rues. Je vais même aller au pétirien. Même chez Oxfam. Moi je vais aller là. Travailler à la chaîne, des choses comme ça. Wow. Bon, quand je me présentais, bon, moi, partout je suis tel que je suis. Je ne change pas où je dois mettre les yeux pour apparaître, non. Je suis toujours comme ça. Même au CPS, je suis toujours comme ça. Mais la dame me regarde et c'est pas possible. Cette dame-là ne me donnait pas du boulot. Et elle me dit, normal, il y a un travail au CPS, mais moi je ne crois pas qu'on va te prendre là-bas. On ne va pas me prendre. Mais non, parce que par rapport à ton CV, parce que je suis aide-soignant. J'ai fait les études d'aide-soignant en Allemagne. Tu as fait aide-soignant. Et avant ça, quand tu as arrêté tes études, tu as fait la maçonnerie. Tu as arrêté la maçonnerie. Tu étais dans l'ORECA. Et dans l'ORECA, tu faisais quoi? Tu étais commis. Tu n'étais même pas cuisiné. Tu faisais la plonge. Donc, je ne crois pas. Mais cette dame-là, l'erreur qu'elle avait faite, c'était quoi? De me citer le responsable du service du CPS auquel ils avaient besoin de quelqu'un. Elle m'a trouvé un rendez-vous chez Oxfam. J'y vais. Oh. On me voit comme ça. Je commence à expliquer, je sais faire ça. Et puis après, on me convoque. Oh non, ça s'est bien passé. Donc vous étiez à deux, on a pris l'autre. Ah. J'ai dit, ah, Seigneur, moi j'ai demandé du travail. Hein? Moi je n'ai pas commencé à me poumonner, à chercher, à faire ceci. Parce que moi j'ai cru à un message. Mon pasteur le sait. Moi j'ai cru à un message. Moi j'aime l'évidence du message. Amen. J'aime vivre le message. Amen. Je n'aime pas qu'on me raconte des choses. Tu as fait quelque chose dans ta vie. C'est pas mon problème, c'est ton problème. Amen. S'il a fait avec toi, il est pour moi. Ça c'est moi. Ça, c'est Amen. Dieu Amen. Est obligé. Et quand son fils te fait de même avec Amen. Moi, si je suis dans la Amen. Vie, Amen. 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 Non, ça c'est moi. Amen. Ce n'est peut-être pas vous. Je vais peut-être scandaliser quelqu'un. Oh non, il exagère, mais c'est mon père. C'est comme ça que je marche avec lui. Comme ça. Amen. Je cherche le travail, je ne trouve pas le travail. J'ai dit non, c'est pas possible. Mais la dame là, elle m'avait cité le nom. Moi-même, pas, j'appelle le CPS. Directement, j'appelle le service. Et j'ai la personne. C'était M. Sanlay.
Je lui dis, non, voilà. J'ai vu telle personne, elle m'a parlé de vous. Oh, ok, venez quand même. Et la dame n'avait pas envoyé ma candidature chez cet homme-là. Je suis allé. Normal. Bon, comme je dis toujours, hein, moi, tout ce que je touche, hein, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Hein? Il y a une fois, on était avec lui, moi, on était chez le frère Emmanuel, et puis on était avec le frère Paulin. On était dehors. Et puis, on parlait de l'informatique sur un ordinateur que tu voulais me donner, là. Oui. Et puis, il y avait un problème là-dedans. Et puis, frère Paulin, il pose la question, mais c'est quoi ce que vous dites? Vous savez qu'est-ce que frère Emmanuel a dit? Frère Exode, il comprend ce que j'ai dit. Mais est-ce que vous savez que frère Emmanuel, c'est un informaticien? Hein? Frère Emmanuel, c'est un informaticien. Moi qui ne suis pas un informaticien, mais un informaticien qui dit que non, qui a testé que non, lui, il connaît. Ah, c'est que je suis danger. Oh, danger. Mais je suis venu la vérité. Oh, mais je suis senti quand c'est comme aujourd'hui le pasteur qui dit non, je vais mettre mon fils là. Oh. On dit quoi? Alors, il est sur terre, franchement. Frère, là-bas, c'était le service. Hein? Là où viennent tous les courriers des dispatchings de tout le CPS. Donc quand toi tu envoies ton dossier, ça doit d'abord atterrir là. C'est pour cela que vous verrez que dans des CPS, quand vous envoyez un courrier où l'assistant social passe à la maison, il prend tes documents, elle va avec ou il va avec. Ça prend un certain temps. Tu dis, oh, ça fait 2 mois qu'on n'a pas répondu. Non, le dossier, ça traînait là-bas chez nous. Et il fallait connaître. J'étais là devant la personne. Et cette personne ne prenait pas n'importe qui. J'étais là, je parlais avec lui. Mais j'avais remarqué que lui, c'est un informaticien. Tout fait. Universitaire. Vous savez quoi? À un moment, c'est comme si c'était moi qui commençait à lui expliquer l'informatique. Le lendemain, la dame, hein, au service de réinsertion, elle m'appelle. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oh, mais c'est Kingandi. Hein? Ouais. Le pasteur, il comprend. Comment tu as fait? J'ai dit, mais madame, j'ai fait quoi? Mais comment tu as fait? Parce que Laurent, il n'est pas facile. Combien de personnes que moi j'ai envoyées là-bas, et toi par rapport à ton CV? Frère, je n'ai pas fait une semaine, j'ai commencé le travail. Vous savez quoi? J'étais un employé administratif. Il y a des doctorants ici. Mon vieux, il est là. Moi, dans un bureau. Dans un bureau, quand je dis un bureau, un bureau. J'ai traité des dossiers. Si tu habites Anderlecht, hein, dans mon portefeuille, j'ai encore ma carte de l'employé communal. Si tu habites Anderlecht, oh, je sais tout de toi. Nous, on traitait des piles de. Quand je dis on traitait des dossiers, on a codé des dossiers. Et là, rien ne nous échappait. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Mais pourquoi est-ce que vous vous sous-estimez? Amen. Je me mets moi-même là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on se sous-estime? Non, entre nous, franchement, vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Il faut faire la différence. Amen. Seigneur Jésus-Christ a béni ton peuple, Israël. Ce n'est pas comme ça que vous priez? Mais en ce qui vous concerne, Seigneur bénis l'épouse et partout dans le monde entier. Pambola moi sinon y'a l'ibala ou y'a palangani sa vie mon. C'est ça. Il y a une différence. Paragraphe 36. Eh bien, vous savez, j'ai un peu envie de chanter ce cantique qui chaque fois que je l'entends me fait penser à la sœur Intel, à maman Esther,
Amen. À maman Esther. À la sœur Esther. Je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai le matin. Oui, messieurs. Vous rappelez-vous que nous les chantions? Est-ce que vous vous rappelez que nous les chantions? Amen. C'est pour ça que le pasteur dit toujours, faut faire attention, il faut bien écouter ce que vous chantez. Amen. C'est déjà une prédication, c'est déjà une évangélisation. Amen. On peut déjà chanter comme ça, puis sortir et partir. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Quand je mourrai, alléluia, bientôt, je m'envolerai. Le prophète Branham dit, j'aime cela. Amen. Il continue, il dit, et comme nous devenons vieux, et que nous grisonnons, que nos épaules s'affaissent, cela représente plus que jamais quelque chose pour nous. Amen. Amen. Vous voyez, en effet, un jeune homme regarde vers le futur. Qui va-t-elle épouser? Comment va-t-elle éduquer ses enfants? Comme Exode ici là. Une fois que c'est fait, c'est alors presque fini. À ce moment-là, vous voyez, alors vous faites face au coucher du 38. Mais pensez-y simplement, frère. C'est tout ce que nous avons. Nous avons l'amour. Nous avons la joie. Nous avons la paix. Nous avons la vie. Nous avons trois points de suspension. Nous possédons la mort. Nous possédons la mort. Amen. Je vais continuer, vous allez bien comprendre ça. Bien. Il dit ceci. Nous avons la mort. Nous possédons la mort. Amen. C'est vrai. La Bible dit que nous la possédons. Amen. Nous possédons la mort. Amen. Elle nous appartient. Amen. Nous ne lui appartenons pas. Oui. C'est celle qui nous appartient. Amen. Vous direz, qu'est-ce que vous allez faire avec la mort? Amen. Pourquoi est-ce que nous avons peur de la mort? Maintenant, le prophète, il nous explique qu'est-ce que nous allons faire avec la mort. Tu as la mort. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu vas acheter du pain avec ça? Ou tu vas acheter une voiture avec ça? Mais maintenant, écoutez ce que le prophète Branham dit. Qu'est-ce que vous allez faire avec la mort? Il dit ceci. C'est juste comme ce que Paul a dit. Quand elle est venue frapper à la porte, quand la mort est venue frapper à la porte, quand le temps était venu pour Paul de rentrer à la maison, la mort est venue frapper. Dire que monsieur Paul, oh frère, je suis venu, on doit partir. Paul, il avait peur. Paul, il pensait que la mort, c'est comme nous aujourd'hui. Hein. Quand tu n'es pas encore mort, tu crois que la mort, vraiment, c'est la mort. La mort. Il dit ceci. Il a dit. Là, c'est Paul maintenant. Il a dit ceci. Il a dit. Es-tu venu me conduire de l'autre côté de la rivière? Amen. Alléluia. Moi, je pense qu'on n'a pas compris. Amen. Paul pose la question à la mort. Amen. La mort est venue frapper à la porte de la sœur Esther. Et ce jour-là ou ce matin-là, la sœur Esther a demandé à la mort, est-ce que tu es venu me conduire de l'autre côté de la rivière? Amen. Allez retrouver le prophète Branham. Amen. Allez retrouver les sept autres fois. Amen. Maman Esther, elle était ici avec nous. L'amour est venu. Maman Esther, ce jour-là, elle avait compris. Elle a posé la même question à la mort. Monsieur la mort. Autrefois, un écrivain avait dit, Dieu a attelé la mort à une voiture
Et la seule chose que l'amour peut faire, c'est de vous tirer jusque dans la présence de Dieu. Amen. La seule chose. Ouais. C'est pour ça que Paul pouvait dire, mon, où est ton aiguillon? Voilà. Donc, où est ta victoire? Moi, je pensais que tu étais quelque chose de spécial. Amen. Amen. Maintenant, je vois que tout est ça, c'est fait. Amen. Tu n'es qu'un outil. Amen. Un instrument que Dieu a établi pour me ramener. Amen. Glory. Yes. Amen. Nous pleurons comme des hommes. Vous ne pouvez pas mourir. On a tout simplement attelé la mort à une voiture. Et la seule chose qu'elle fait, c'est de vous tirer jusque dans la présence de Dieu. C'est juste une mascotte qui vous tire jusque de l'autre côté de la rivière. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a donc plus rien qui puisse vous inquiéter, nous inquiéter à Gabon Tabernacle. Amen. Amen. La mort, elle peut venir si elle veut, à tout moment. Avec tout ce qui se passe ici sur la terre, l'enfer est sur la terre. Amen. Qui a encore envie de vivre? C'est donc que ceux qui ont envie de vivre, ce sont ceux-là qui ont la même nature Amen. Que le monde. Amen. Et nous le voyons se manifester. Amen. Parce qu'au temps de la fin, nous verrons toutes les couleurs. Amen. Chacun manifestera sa couleur. Amen. Frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Ce que vous croyez, c'est ce que la personne. Amen. Oh, quelqu'un qui s'attend à Dieu. Mais, bon, franchement, je ne sais pas. Il y a des fois où je me dis que le pasteur, il ne fait que son travail. Parce que Dieu, il le voit et puis il dit ce qu'il dit. Mais en réalité, s'il était juste un homme, il n'allait pas le faire. C'est parce qu'il est obligé de le faire. Parce que ça ne dépend pas de lui. C'est une autre onction qui vient dans l'au-delà. Qui s'accapare de lui. Et qui lui fait dire des choses qu'il dit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? Ma soeur, mon frère, ce que tu es, c'est ce que tu es réellement. Le monde, tout ça, mon frère. Tout ça, mon frère. Cela est monté dans les narines de Dieu. Tout ça, mon frère. Dieu est prêt à détruire. Le grand jour arrive. Le jour grand et redoutable. Où Dieu viendra embraser toutes choses. Et vous êtes là. Nous sommes là. À nous accaparer. Encore et encore. À des choses de ce monde. Nous n'arrivons pas à nous délier de ces choses. Amen. Frère, qu'est-ce qui se passe? Amen, c'est vrai. Avions-nous réellement? Qui suis-je? Paul a dit, quand la mort est venue, en roulant là-dedans, dans l'heure avait sonné pour lui, quand l'heure avait sonné pour lui, il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Amen. Elle a dit, eh bien, je viens t'amener à la tombe. Hein? Paul regarde. Oh, à la tombe. Ok, allons-y à la tombe. Paul, il se retrouve à la tombe. Il regarde la tombe et il dit, oh, moi je pensais qu'il y avait des épines. Quand on te met à la tombe, tu meurs deux fois. Il dit à la tombe, tombe, où est ta victoire? Ma soeur Esther, c'est le pause, Frédéric. Tu as le droit de pleurer, mon vieux. Tu as le droit de pleurer. Le Dieu Tout-Puissant, dans la chair humaine, quand il s'est mis devant la tombe de Lazare, amen, quand il a parlé à Marthe, Marthe lui a dit, Seigneur, il a eu compassion. Il a pleuré. Parce qu'il a pleuré, pourquoi? C'était son ami. C'était son ami. La séparation dans la chair, elle est douloureuse, frère. Ce n'est pas une chose facile, frère. Dieu est 100% homme. Il a pleuré. Parce que toi, tu es un arbre. Devant un problème comme ça qui surgit dans ta vie,
Tu dis ngai koki ngai moi, tu ne pleures pas. Frère, tu n'es pas humain. Amen. Donc le Dieu qui a fait ça, va dire, je sais quoi, tu viens d'où, qui t'a créé? Revenons un peu sur terre, franchement. Nous avons le droit de pleurer. Mais quand tu pleures, tu ne vas pas pleurer. Oh non, moi, si je vais mourir aujourd'hui, j'ai été bon aussi dans cette mauvaise tombe. Non! Ça, c'est soit les païens qui pleurent comme ça. Mais un fils de Dieu pleure comme Jésus. Devant la tombe, il a pleuré. Le Dieu Tout-Puissant, 100% homme, 100% Dieu. Mais à un moment, il a dit non. Je dois changer le tableau. Je dois changer le tableau maintenant. Le tableau doit changer maintenant. Maintenant, la nature de Dieu a pris place. Il dit, ôtez-moi cette pierre. Ôtez la pierre. Amen. Oh, les gens, ils étaient là. Ils se disaient non. Là, vraiment, non. Mais non, franchement, qu'est-ce qu'il va encore faire? Amen. Alléluia. Quel tour il va encore nous jouer ici, là? Hein? Quel tour de magie. Mais ces gens-là savaient que même un magicien ne pouvait pas ressusciter un mort. Ça, vraiment, ces gens-là disaient que toi, aujourd'hui, avec ta magie, ça en est fini de toi. Aujourd'hui, on sait que tu vas dire là. De toutes les façons, on sait déjà ce que tu vas dire. Quand tu vas les dire, de toutes façons, nous, on prépare déjà des pierres. On va te lapider. Voilà. Vous savez pourquoi on a lapidé Étienne? Parce qu'il témoignait de la parole. Oui. Vous dites que les enfants d'Israël étaient prêts dans cette histoire de lapidation. Lazare, sors! Est-ce qu'il a répété ça deux fois? Oh. Le corps de Lazare était entouré, hein, ou bandé. Hein? Bon, dites-moi, un corps qui était couché, bandé, ou je dirais même lié, mais ce corps-là est sorti. Quelle puissance! Vous savez, il est 5h du matin, pasteur. Je ne crois pas que je vais continuer. Il est 5h du matin. Je ne crois pas que je vais continuer. Parce que mon message, c'était plutôt là. C'était vraiment là. Merci Seigneur. Frères et sœurs, vous êtes des dieux. Amen. Amen. Vous êtes tout simplement des dieux. Amen. Vous êtes des dieux. Amen. J'ai plein de journalistes ici. Plein. J'ai dit au pasteur, j'ai dit, ah, pasteur, pourquoi tu me fais ça, hein? Il fallait même m'amener peut-être chez le pasteur Robin Zundu, ou m'amener peut-être en Suède, que je commence pas pour que tu voies au moins. Hein? Là, pour moi, c'est une bombe à retardement. C'est Dieu qui met sa parole. Amen. Je n'ai pas dormi. Mais je vous dis la vérité. Attendez, aujourd'hui j'ai essayé de gêner. Je ne savais plus faire la différence. Est-ce que c'est la fin ou c'est la fin? Frère Guy, si Dieu permet que vous puissiez aller à Kin, vous êtes un fils de Dieu. Amen. Vous êtes un Christ. Amen. Amen. C'est tout simplement ça. Vous savez que Dieu est un homme.
Il ne faut pas, commencer à réfléchir. Dieu est un homme. Dieu, il a un corps humain. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Parce qu'on est fatigué. Amen. Moi aussi, je suis fatigué. Amen. Amen. Pour moi, si le, tu sais, pour moi, si le pasteur me donne une heure, pour moi, c'est comme s'il me donne cinq jours. Mon Dieu est venu me secourir là-bas, j'étais là. Je vais dire quelque chose pour Marie. Amen. Il y a plein de choses à dire ici là. Tu sais, vous savez, il y a une chose que j'ai remarqué. Moi-même, je suis brebis. Ne me prenez pas pour un prédicateur parce que je suis mon cachet. Moi-même, je suis brebis. Hein? Moi aussi, je me mets à la... Moi aussi, je m'assois, non hein? Il y a une chose que le prédicateur ici, là, il voit et les gens, ils sont fatigués. Mais on va foncer. Amen. Ils sont fatigués, on va continuer. Ouais. Amen. Je vais juste lire quelque chose et puis on va arrêter. Dieu, il n'est pas différent de vous. Amen. Dieu, quand il vous a créé, il vous a créé à son image. Amen. Vous savez, si déjà de un, préalablement, si vous ne comprenez pas ça, donc c'est ça, il faut d'abord connaître qui je suis. Amen. Quand tu sais qui tu es, c'est à ce moment-là que le message du prophète William Marron, tu vas la comprendre. Amen. Tu ne sais pas si tu es le fils du diable ou le fils de Dieu. Mais tu dois te positionner. C'est pour ça que tu vois que dans nos églises, ah pasteur, on laisse moi. Parce que les gens... Non, laisse ça. Dieu est un homme. Dans la prédication, compte à rebours. Prêché le 9 septembre 1962 à Jeffersonville. Il dit ceci. Et je crois que lorsque Dieu créa l'homme, il commença par refléter les plus petites choses telles que les animaux. Suivez-moi très bien. Et puis, ce qu'il a créé dans la suite, écoutez bien, là vous allez comprendre qui vous êtes. Vous devez être au courant. Vous êtes obligé. Sinon vous priez un Dieu, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Amen. Comment vous dire que non, vous êtes des dieux? Tu commences à imaginer comme les pharisiens s'imaginaient. Comment est-ce que Jésus-Christ allait venir? Ce n'est pas comme ça. Ce qu'il créa dans la suite fut quelque chose de différent. C'est tout à fait de cette façon qu'il le fit. Selon ce que la Bible dit, il créa d'abord les arbres et la vie végétale. Puis il créa l'homme. Est-ce que vous comprenez? Allons-y. Et donc, la dernière chose qui vint de la terre, dans la lignée de la création, fut l'homme. Il n'y a pas eu quelque chose de plus élevé que cela. Pourquoi? C'était le reflet parfait de ce qui est le plus élevé au ciel. Amen. Amen. Un reflet. Le dictionnaire dit ceci. Un reflet, c'est une reproduction affaiblie. Amen.
Amen. N'êtes-vous pas de Dieu? Amen. Amen. La forme la plus élevée au ciel. Quand Dieu a créé, il a reproduit ça ici sur la terre. Amen. Si au ciel c'était un homme qui était plus élevé, sur la terre aussi, il doit y avoir un homme qui doit être plus élevé. C'est pour cela que Dieu, quand il a créé l'homme, il a d'abord créé le Logos. Le Logos, en fait, l'homme, il n'est pas de la même catégorie que Dieu le Père. L'homme, il est dans la même catégorie que le Fils, le Logos. Vous savez quoi, je l'ai ici. Amen. C'est là que j'ai l'impression que je suis comme Thibaut Tibet. Yeah. C'est écrit ici. Amen. Le mort est en moi. Il n'y a pas eu quelque chose de plus élevé que cela. Pourquoi? C'était le reflet parfait de ce qui est le plus élevé dans le ciel. En effet, Dieu est un homme. Voyez-vous? Amen. Amen. Vous dites amen, non? Amen. Hey, j'ai fini. Ne vous inquiétez pas, j'ai fini. J'ai fini. Oh là là. Donc, c'est cela la preuve. Amen. Et lorsque Dieu était descendu pour habiter parmi nous, il était un homme. Amen. Donc, moi, je pensais qu'il était un chien. Non, un homme. Déjà, Dieu ne parle pas aux animaux. Non, pas à travers les animaux. Il n'utilise pas les animaux pour parler. Si les animaux, c'était des choses de moindre, de moindre, de moindre, de moindre, de moindre. Ce véritable homme que nous sommes, le pasteur Salem que je vois, ce n'est pas le pasteur Salem. Le pasteur Salem, c'est quelque chose d'autre. Le pasteur Salem, c'est un feu. Tu es un feu. Et le feu, là, est en toi. Amen. Dieu, quand il a créé la terre, lui-même, il ne pouvait pas venir régner ici parce qu'il avait déjà son règne là-bas. Quand il a créé maintenant l'homme, quand il a dit créons l'homme pour pluriel à notre image, il a pris cet homme qu'il a créé, il a pris la poussière de la terre. Hein, la poussière de la terre. Il a formé ce que nous voyons là maintenant. Amen. À un moment, tu mets un peu de choco. À un moment, tu mets un peu ceci. Hein. Ça, ce n'était pas là-bas au ciel. Voyez-vous, un homme, cela démontre donc que la perfection de l'évolution était Dieu, lequel était homme. Un homme. La perfection de l'évolution était Dieu. C'est ça, merci. Et je vais terminer ici. Vous avez un corps humain. Et vous pensez que Dieu n'en a pas. Amen. Et... Vous savez, des fois, quand on parle du corps humain, on voit seulement ce corps. Mais Dieu aussi, il a un corps humain. Amen. Bon. Et souvent, quand on parle du corps humain, on voit Jésus. Amen. Bon. Écoutez, il dit ceci. Dieu aussi il a un corps humain. Donc, question et réponse. Merci. Donc, question et réponse sur les Hébreux. Deuxième partie. Prêché le 2 octobre 1957 à Jeffersonville. Paragraphe 386. Vous pouvez trouver ça aussi dans les COD normalement. Sur quelle page, je ne sais pas bien. Dans le message électronique, c'est vite fait. Il dit ceci. Ou, comme j'ai dit à ce sujet, les catholiques appellent la filiation éternelle de Dieu.
je l'ai dit souvent, hein, ceci comme je l'ai dit avant, ce mot n'a aucun sens. Voyez-vous, il ne peut y avoir de fils éternel. Parce qu'un fils doit avoir un commencement. Amen. Et ainsi, Jésus a eu un commencement. Amen. Dieu n'a pas eu de commencement. Amen. Voyez-vous, mais le Fils était le propre de suspension, non pas la filiation éternelle, mais le Fils qui était avec le Père au commencement était le Logos qui est sorti de Dieu. Amen. Maintenant, écoutez. Hein? Le Fils qui était avec le Père au commencement. Le prophète Branham a dit, c'était le Logos. Il dit, était le Logos qui était sorti de Dieu. Ça veut dire, le Logos c'est quoi? Dieu. Il remplissait tout le cosmos. Il n'y avait pas de la place pour Jupiter, pour le soleil, les planètes, les étoiles. Dieu, il remplissait tout ça. Pour créer ce qu'il a créé, Dieu, il s'est fait petit. Pour que moi et toi, nous puissions être manifestés. Dieu, le grand Dieu, avec toute sa grandeur infinie, il s'est condensé dans ce qu'on appelle la colonne de feu. Amen. Le Logos. Amen. Qui est sorti de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le Fils. En réalité, le Fils là, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais nous sommes ici au bord humain, et puis on va arrêter là. Qui suis-je? Il dit, je réponds ici pour avoir un peu le contexte, il dit, mais le Fils qui était avec le Père, au commencement, était le Logos, qui est sorti de Dieu. Maintenant, à la même prédication, au paragraphe 387, il dit ceci. Et c'était la théophanie de Dieu qui est sortie, la forme humaine. Amen. Il n'a pas des yeux comme vous et moi. Amen. Comme vous, Amen. Vous avez. Amen. C'était une meilleure vue. Elle n'avait pas d'oreilles comme vous en avez. Mais de loin, une meilleure ouïe. Vous voyez, c'était une théophanie. C'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel a daigné descendre dans une théophanie. Moïse l'a vu. Quand elle a passé près du rocher, il a vu le dos. Et il a dit que ça ressemblait à un. Une question que je pose à toute l'assemblée. À commencer par le pasteur. Vous êtes des. Dieu. Vous êtes deux. Dieu. Vous êtes deux. Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu te bénisse, bienvenue. Et avez-vous aimé la parole? Amen. La première fois, moi j'ai aimé. C'est la première fois que j'écoute ici. Hein. Oui, des fois vous l'avez déjà entendu sur internet, mais l'écouter pour les... comme ça c'est aujourd'hui. Là. Que Dieu le bénisse. Et comme je vous ai dit, prions. Prions. On a dit tout à l'heure, le frère a dit, la moisson est grande. Hein? Mais peu pour vous. Donc, priez pour vous. Amen. Parce que il y a encore d'autres surprises, mais vous voyez, le temps n'est même pas là. Amen. Je ne sais même pas. Il est 5h15, le temps qu'on chante deux chansons, on prie, et puis c'est déjà 6h. Mais il y a encore d'autres surprises. Amen. Donnons une acclamation. Nous allons nous lever, nous allons prier.
effectivement, on va prier, puis on va continuer à prier. Amen. Je suis pèlerin, étranger, errant dans ces mots. Mais nous savons que la vie est de tout.